Me voilà enfin en Haïti. Me voilà dans cette ancienne colonie française Saint-Domingue, devenue Haïti en 1804, après la guerre de l'indépendance. Gdzie jest Polska? Où la Pologne? Ouais. Me voilà en route pour Casal, où tant de Polonais se sont établis il y a 200 ans. Je vais pouvoir enfin apprendre ce que sont devenus leurs descendants. Comment se sont-ils adaptés? La première fois que le nom Casal a été mentionné, c'est par Moreau de Saint-Louis, qui mentionne qu'en 1740, il y avait un colon français du nom de Casal qui avait fait l'acquisition de 96 carreaux de terre dans la zone du Boucassin, qui relève du quartier de l'Arcaé. On a d'autres informations plus précises qui relatent qu'en janvier 1768, la veuve de ce monsieur de Casal a vendu au droit des héritiers une habitation dont la contenance était de 274 carreaux, ce qui fait grosso modo 353 hectares. La colonie française de Saint-Domingue était la plus riche du monde au XVIIIe siècle. Cette prospérité était basée sur le système esclavagiste, sur la répression sauvage, sur la déshumanisation et sur la torture. En 1802, dans l'armée envoyée à Saint-Domingue pour combattre les insurgés, il y avait un régiment de Polonais, la Légion Dąbrowski. Ces Polonais se sont aperçus que ces insurgés étaient en réalité des esclaves qui combattaient pour leur liberté. À l'époque, les Polonais eux-mêmes se battaient pour la libération de leur pays. Certains d'entre eux décidèrent alors d'abandonner les rangs des Français et de lutter du côté des indigènes. C'est ainsi qu'ils participèrent à la première révolte victorieuse d'esclaves de l'histoire de l'humanité. Historiquement, c'est un endroit totalement isolé, si on veut, quoique étant tout proche de la capitale, puisque Casal est en réalité seulement 44 km de la capitale. Et c'est une zone agricole où il y a eu une prépondérance ethnique polonaise, puisque on sait qu'avec l'arrivée de Leclerc, l'expédition Leclerc, en 1802, il y avait beaucoup de militaires polonais qui avaient fait la guerre d'Égypte avec les troupes de Napoléon et qui avaient débarqué en soutien à l'armée française. On sait aussi que ces messieurs ont refusé de se battre quand ils ont réalisé que ce qu'on leur avait dit au départ, et c'était pas exact, ils ont réalisé qu'eux, ils ne vont pas venir en Haïti pour perpétuer l'esclavage. Et on sait que beaucoup d'entre eux ont rejoint les camps de l'armée indigène et que Dessalines avait des gardes du corps et des officiers supérieurs qui étaient aussi polonais. Dessalines avait beaucoup de sympathie pour les Polonais et il leur accorda très vite la jouissance des droits civils et politiques. Il était devenu citoyen de ce nouveau pays qu'il avait contribué à créer. Et quand le gouverneur britannique de la Jamaïque lui suggéra d'expulser les Polonais d'Haïti, Dessalines répondit qu'il était le chef d'un peuple libre, qu'il ne pouvait, par conséquent, contraindre ses nationaux à quitter la terre de la patrie. Ces survivances ethniques s'expliquent peut-être par l'isolement du lieu. Cet isolement était certainement dû aux montagnes qui l'encerclent, qui en font une enclave et le rendent presque inaccessible. Casal est resté un des lieux où justement il existe encore certaines survivances culturelles ethniques de cette population polonaise. Depuis le 19e siècle, la population de Casal a été marginalisée, ethniquement marginalisée. Ce petit bloc de phénotype clair est resté enclavé. Maintenant, cette marginalisation a entraîné une marginalisation sociale et une marginalisation politique. Tout au cours de l'histoire de ce pays, de 1804 à aujourd'hui, on n'a retrouvé aucun élément de Casal à aucun poste important de la politique. Donc,
non seulement Casal est marginalisé par rapport à la géographie, mais aussi marginalisé par rapport et au social et au politique. Casal, c'est un petit bled totalement isolé. Il y a la rivière Bretelle qui passe justement devant. Il y a un habitat dispersé, caractéristique du milieu rural haïtien. Il y a peut-être une centaine de maisonnettes. Il y a une structure, l'État est totalement absent. Il n'y a pas de poste de police. Il y a un poste de téléphonie, je crois. La Téléco a un poste là. Allô? Allô, ingénieur? Hein? Oui, c'est le Casal moi là. Parce qu'elle l'a casé. Hein? Oui, parce qu'elle l'a. Communication coupée, oui. Il y a un conflit Cabaret-Casal qui date, qu'on peut remarquer, à partir de la rivière Bretelle, depuis 1740. Pourquoi ? L'eau prend sa source dans les mornes au nord de Casal, et c'est cette eau qui participe à l'irrigation de la plaine de Cabaret. Donc à ce titre-là, il y a toujours un conflit, les gens de Cabaret se plaignent que la population de Casal retient l'eau. Ici, tout le monde est ici, c'est la caille de l'eau. Donc, on a dit, c'est pour nous de l'eau avant la lampe. Mais c'est eux qui viennent contrôler nous pour qu'on s'en sorte même, dans le cabaret. Après Duvalier, c'est lui-même qui est à la tête du cabaret. Le roi Salomon dit que c'est de l'eau pas liée. Si on bat nous, c'est deux jours, samedi et dimanche. On a nous dit, bon, le, nous ne pouvons pas quitter Sanson, prendre tout le jour ça. Parce que là, nous prenons deux jours, nous ne pouvons pas user même. C'est-à-dire que Casal sont sources qui pour porter de l'eau à descendre le cabaret. Parce que l'arrivée pour faire un baptistère, c'est cabaret. Pour faire un mandat, c'est cabaret. Pour faire n'importe quoi, c'est cabaret. Égal, pour l'enlever, mon cabaret doit lever grand goût sur le compte. L'argent marché que nous avons collecté, il n'y a pas fait rien pour Casal. Et l'argent père prend, il a fait des efforts pour confesser, il faut faire un goût de l'an, il descend le cabaret. Et puis l'église Casal, Saint-Michel, il n'y a pas fait rien là-dedans. Il va même clouer. Tol qui a tombé, c'est mon Casal. Cacheté bagaille. Donc et tout ça, ils prennent, ils mettent le long paquet, pour ne pas dire terme anglais, un package, et puis ils disent voilà,
moi instrument qui n'amène nous pour aller conscientiser population pour nous capable et faire révolution en marché. 69, c'est quoi? C'est le projet du PUSH, Parti Unifié du Communisme Haïtien, qui, suite à différentes réunions qu'ils ont eues en Europe, ont décidé de se battre contre François Duvalier, président de la République à l'époque, dans la logique d'une guerre de guérilla rurale. Et c'est ainsi qu'il y a eu un établissement d'une cellule communiste à Casal. Et en mars 69, il y a eu un événement, justement lié toujours au problème de l'eau, un canal qui aurait dû être ouvert à telle heure qui n'a pas été. Et des éléments de cette cellule sont intervenus, ont descendu le drapeau et ont déclaré Casal zone indépendante sous régime communiste. Jérémie prend le chapeau, il nous descend, lui-même il prend, il chire le drapeau ça, il dit drapeau noir et rouge ça, c'est drapeau criminel, drapeau ça pas de noir, pas de noir mettre là, c'est pour nous, c'est pour drapeau ça détruit. Jérémie le prend, chire le, et il dit mais, essaye le drapeau ça. Alors il mettait bleu et rouge là. Évidemment, l'armée a été avertie de la situation et des éléments de l'armée sont montés à Casal réprimer cette situation. Donc on m'a tiré sur Kaila. Alors que le Jérémie même, il sortit, il était des gens qui dominaient Kaila avec lui. Il ouvrait la porte par derrière et puis il sortait, puis il était des revolvers. Là, lui, au lieu de tirer pour qu'on connaisse côté lui pour y aller joindre. Belno, Jérémie, c'est un ancien militaire qui a une formation militaire assez correcte au niveau de Caserne de Saline. Le monde qui était responsable du groupe là, qui était à la tête du groupe là, c'était Jérémie, Maxo, OGMI, et OGMI, Maxo, il y a Alex, bien Willy Belno. Même le monde qui était porté non tigre là, c'est Jérémie. Il n'y a pas eu d'intervention à ce que je chasse d'éléments de l'armée en provenance de Port-au-Prince, mais des éléments de la zone. D'abord Arcaé Cabaret et Miambalé. Monsieur général Cabaret, Sodo, mon d'accord, mes pays après c'est rassemblé, Vin Casal, Makout, Négan jaune, Négan bleu. Mais gens ont fait, il y a assez faim. Comme nous disons, nous avons des âmes. Les âmes, nous avons même si nous avons toujours perdu pour la bataille, mais nous avons écrasé les trois mondes. Mais pour qui ça, ils mettent les gens Casal devant. Ils mettent les gens Casal devant, ils mettent les gens derrière. Nous-mêmes, nous disons, nous ne sommes pas là pour mal, nous disons, nous ne sommes pas là pour mal, mais on pète, nous ne sommes pas là pour mal, sous pièce et sous monde. Même si nous sommes là pour mal, c'est sous les miens qui sont là pour mal, parce que c'est eux qui parlent de nous. Mais nous ne sommes pas là pour mal, sous les monde, pas nous. Maintenant, ce qui s'est passé? Et je ne sais pas qui avait été responsable de la planification militaire de cette opération à Casal. Mais quand on considère Casal sur la carte, Casal est un cul-de-sac. Il n'y a qu'une seule voie d'accès, qui longe derrière le lit de la rivière. Et en arrière, au nord, il y a les mornes. Donc, quand l'armée a pénétré par la route principale en provenance de Cabaret, ces messieurs ont dû évacuer vers le nord, donc vers les mornes, où l'armée avait tendu un guet-apens. Et ils occupaient toutes les crêtes de ces différentes montagnes. Même côté là, ils ont été séqués nous. Donc au niveau opération militaire, si on veut, contrairement à ce grand mythe qu'on fait circuler, l'opération militaire n'a pas duré. Je pense que ça s'est passé en moins de 24 heures. Ils ont tué au GMI, on a ça dit qu'il y a deux mondes qui mourent. Il y a l'autre après le lac Koudzam, des Jérémie, mais tout ça c'est des Jérémie. Oui. Pas que l'autre monde qui parle, c'est des Jérémie. Oui. Là il a gagné coup de zam, il a né fort victime après feu, il met en silence, né fort victime levé main. Là né fort victime levé main, là nous même nous vinn camper. Là nous vinn camper, yo fait nous marcher par dos. Là nous vinn par dos, yo marrer nous avec chemise nous même de marrer nous. Là il met nous coucher souvent. Yo m'a dit nous coach Jérémie, nous dit Lila. Là nous dit Lila, ah bon. Mais zeb qui gagne, il y a nettoyé ça net en bas de zam. Et puis, on dit en temps, un groupe en l'air, on t'a dit, hé, Méni, ça dit, Jérémie, à toi, un groupe ou elle, les en bas ici, c'est qu'elle. On dit en temps, on t'a dit, l'autre a dit, pas elle. Après, on dit, Méni, on t'a dit, c'est qu'elle. Après, ça nous pas elle. Et bien, jusqu'à ce que nous-mêmes, le pas à Jérémie, il n'y a pas à prendre, il y a ce petit soir avec nous. Ils descendent ici avec nous.
J'ai un petit cousin qui était relâché. La mort. Il a pris, il a coupé la tête. Il a coupé la tête là-bas depuis que tu sautes. Il a bombé la tête là-bas pour te vivre dans le palais national. Il a été dans le bureau SD. Il a été là, nous fait bon coup de temps. Il a été député à Cambon. Cambon vini. Juste à ce Cambon te pose nos questions. Il m'a dit si nous comptons battre coq. Nous disons oui, nous comptons battre coq. Les Adiens, mais bon, c'est nous-mêmes qui avons battu Duvalier. Dans la bataille Duvalier, c'est Deco qui comptait. Jérémy, avec Duvalier, ils ont contré, mais Duvalier gagne nous. Nous disons accepter nos pédis. Il a cherché petit Jérémy. Duvalier voulait chercher. Bon, c'est, à cette époque, c'est papa que Duvalier, comme papa était un Duvalier Risto, qu'on écrit pour lui. Papa dit ou pas petit monde. Il dit non, mais il balé. Donc il était pris en otage. C'est un bail ça, Jérémy, accepter, déposer les armes. Les éléments de l'armée sont partis et ont laissé en place des éléments de la milice de la zone de Cabaret et de la Caille. Maintenant, ces éléments-là, ce sont eux qui, après, ont fait ce qui est connu sous le nom de massacre de Casal. Bakadou qui j'en parle, je sais pas ça comment, en pile moun mouri sous compte bagage. Les mouri fait l'autre bois, bois place de la résistance, et puis mon bonne force qui est là. Je dis, oh, c'est pas sérieux. Et puis, ben, je prends mieux de mes bébés. Quand je vais pas le garder, je vais pas le passer. Je prends un risque, je m'arrête lui en code, qui passe ici, qui est sous patini. Je viole petit moun ici. Il y a des qui marient à petit tout. Les gens ont démonté tout le jardin, ils volaient bêtes. Dans cette répression de 69, beaucoup de gens qui faisaient partie à l'époque de la milice ou de Cabaret ou de la Caillé sont montés à Casal et ont eu des actes de sauvagerie vis-à-vis de certaines personnes qui sont directement liés au fait qu'ils n'avaient pas été acceptés par une femme de Casal à telle ou telle période. Bon, nous connaissons Duvalier entre les mêmes, avec couleur son bagage, il fait toujours et qu'on problème avec lui. D'ailleurs, il y a un truc pas possible sur la question de couleur à travers les classes. Bah, il me mélange un paquet de bagage. Mais pendant que nous avons dit qu'il y a un problème avec Mulat, il y a une mulatrice. Il y a d'abord l'angle politique, qui est effectivement l'intervention du Bush. Il y a effectivement l'intervention de l'armée. Mais la répression qui s'en est suivie par des éléments en provenance de Cabaret et de la Caillé, beaucoup de ces éléments, qui certains d'entre eux n'ont pas voulu donner d'interview, mais on s'est arrangé pour avoir des informations, ce qu'ils ont donné comme argument, c'était que justement, il fallait que les gens de Casal payent. Dès que vous venez voir ici, vous crasez les gens, qui sont capables de prendre la famille, mais sinon, vous avez un paquet de macoutes qui fait petit avec Mulatrice, ancien et madame. Communiste entre guillemets. Si cette place nous était comptée, que nous dirait-elle? Elle nous conterait la peur des Casaliens. Si cet arbre pouvait parler, il nous dirait que c'est ici que plusieurs Casaliens ont été exécutés le 29 mars 1969. Si cette maison avait la parole, elle nous dirait la crainte des Casaliens de se réunir de nouveau, d'entreprendre ensemble un projet quelconque. Cette place nous dirait que les Casaliens ont l'impression que certaines lois anticommunistes promulguées par François Duvalier dans le Moniteur du 30 avril 1969 ont été prises spécialement contre eux. La peur est peut-être le plus grand handicap au développement de Casal. Thank you.
malheureusement, c'est 69 qui a remis, si on veut, Casal sur la carte d'Haïti. Casal reste une curiosité jusqu'à aujourd'hui. Les gens veulent voir Casal, c'est comme aller au zoo. Ah, Casal, il y a un monde clair Casal. On veut aller voir ce qui se passe à Casal. Nous avons plus de bagages qu'en 69, en 69. Le pays a été noir, net. Nous avons un gros change. Nous avons plus de bureaux, mais nous avons un téléco. Officier d'État civil noir avec nous, nous avons un juge de paix avec nous là. Nous avons même une usine à faire papier, tout le monde ne sait pas de coconner. Ce n'est pas tout le monde, nous ne sait pas de coconner. Nous avons plus intellectuels, nous avons plus de bureaux. Ça, c'est pas pour vous? Et dit? Ça, c'est pour vous, ça? Oui. Ah non, c'est là. Oui. Vous vendez quelquefois? Oui. C'est combien ça coûte? Eh bien. Combien ça coûte, ça? Et dit, combien le coûté? Oui. Combien le coûté? Oui. Bon. À peu près. Il coûte 14 dollars. 14? Oui, c'est beaucoup ça. Oui, ouais. 14 dollars. Oui. Magnifique ça. 14 dollars. Et ça, ça oui. Tient combien? Un an, deux ans, trois ans? Le olé. Le olé? Depuis par un petit monde, on a pris ce souci. Il dit au rempli. Traditionnellement, le bananier chez nous est utilisé pour ses fruits. On consomme les fruits et l'arbre après est jeté, coupé, jeté dans les champs et laissé pour être pourri. Ce que propose le procédé donc, du projet papier banane, c'est une utilisation plus rationnelle du tronc du bananier. Après qu'il soit coupé et que donc, le rhizome ou ce qu'on appelle ici le petit plant qui vient à côté, peut alors pousser et donner un nouveau bananier. Donc l'ancien tronc, qui a déjà fourni des fruits, est réduit à ces couches qui le composent. Ces couches sont aplaties, ces couches à ce moment-là sont battues et raclées, et de là sortent les fibres. Les fibres qui font jusqu'à à peu près 60 cm, jusqu'à 1 mètre de long. Étant donné que cette fibre a la texture une texture analogue à celle du sisal, qui est devenu plutôt rare. Tout ce que faisait le sisal dans le temps, dans la petite industrie, peut être fait à partir de la fibre de banane. On peut les traiter de manière à ce qu'elles soient utilisées dans le tissage. Elles peuvent être teintes, elles peuvent être coupées en petits morceaux pour réaliser une pulpe que l'on peut transformer soit en papier mâché, soit en feuilles de papier. Cette pulpe se réalise à partir d'un broyeur et mélangée à un liant. À Casal, nous utilisons du gombo, qui est un liant naturel, ce qui nous permet d'avoir un papier à 100% naturel. La pulpe est alors transposée sur un cadre dont le fond est un treillis, dont le fond est sur une sorte de passoire. L'eau est donc enlevée, le papier est à demi séché, puis séché sur une presse, et le papier alors est prêt à l'utilisation. Ceci a donc une portée écologique extraordinaire parce que le bananier arrive à maturité en général au bout de 9 à 10 mois, alors qu'un arbre comme le sapin ou comme le chêne, ça prend quand même des dizaines d'années. Et c'est 116 arbres qui jusqu'ici étaient abattus pour la grande production de papier.
on répète qu'à Casal, il y a beaucoup d'intellectuels. On répète. Moi, je pense que ça aussi, ça fait partie du mythe 69 aussi. Et parce que généralement, les opérations de gauche sont liées à un certain niveau d'intellectualisme. Et bon, il faudrait qu'on fasse un inventaire des ressources humaines de Casal pour qu'on sache qui est qui à Casal et qui sait faire quoi. En plus, naturellement, des ressources naturelles. Parce que faire un développement endogène à partir de nos propres ressources, dans une logique de décentralisation, implique une connaissance réelle des besoins de la population, mais aussi une connaissance réelle de la disponibilité de personnel qualifié au sein de la population. Donc à Casal, il faudrait qu'on fasse ça. Parce que autrement, ce qui va arriver, la critique qu'on porte toujours, il va toujours avoir des gens de l'extérieur venir faire. Et c'est très dangereux, puisqu'à ce moment-là, les besoins réels ne sont pas connus. Le Casal reste quand même dépendant de son agriculture. Mère agriculture à partir de plantations de bananes, de maïs, de petits mille et éventuellement élevage. Tout le développement urbanistique de Casal se fait autour de la rivière Boutel, qui est, si on veut, le sang de Casal. Je sais à partir de cette rivière qu'on prélève l'eau pour les besoins privés, pour l'agriculture, pour l'alimentation et tout le reste. Mais malheureusement, étant donné qu'il n'y a pas de gestion de cette eau, on a l'impression que l'eau ne sert à rien. On sait qu'il était faire pour nous venir manger, pour nous capable manger parce que nous avons des problèmes de manger ici. Parce que la vie va voulu tomber. L'elle va voulu tomber. Quand on leur fait des grès, il y a qui ont fait des manifestes avec lui. Ou doit arrêter, ou planter plan, il mourit, ou va venir. Tout à jambé l'autre bois là, avec des descentes de rigolade, on va pouvoir gagner ou côté que tu fais rigolade déjà. Tant que Mézi cassite, tant que cassite là, nous avons Mézi véritable, tout mourit. Ça fait qu'on est mourit. Nous même ici, nous avons cassé. Nous avons rigolé ici, là, nous avons gagné. Il veut Casal. Après ça, il veut là, voilà, il va voir la station. On a jambé tout l'autre bord. Mais bon, ici, il y a même notre droit, pas qu'à passer dans l'autre bord. Oui, le pire. Et c'est l'autre bord, ça que tu connais véritablement. Nous avons une zone dans l'air là qui t'a fait un pile manger, mais il va causer. Il faudrait faire beaucoup d'investissements. Il faudrait éventuellement faire des mini-barrages, éventuellement. Faire remonter le niveau de l'eau. Pouvoir le pomper. Puisque Casal devrait avoir une agriculture de montagne. Comme je dis, c'est une zone enclavée. Il n'y a aucun projet de pompage d'eau. Donc les morts ne sont totalement dénudés. Le problème de Casal, ce n'est pas un problème d'absence d'eau. Au contraire. Malheureusement, ces jours-ci, il y a un déboisement intempestif qui se fait au nord-est de Casal. La couverture générale a presque totalement disparu. Maintenant, la seule zone de verdure qui persiste, c'est la zone immédiate de la rivière. Mais tous les morts d'environnement sont totalement déboisés. Or, le déboisement, automatiquement, entraîne un ensablement de la rivière, c'est pourquoi le niveau de l'eau même de Casal a baissé. Donc il faut que cette gestion se fasse de manière immédiate et urgente pour que dans les années à venir, Casal ne se trouve pas dans la situation où l'eau, qui était justement son sang, le centre d'attraction, disparaisse totalement. Casal, par contre, aurait pu avoir un avenir touristique, puisque justement, à cause de ce passé historique, on aurait pu faire revivre cette période, retrouver certains éléments de la culture polonaise. Thank you.
y a le pote contre-rendu par le pape là, que le famille Casal, il y a un pile polonais Casal. Avec qui le pape là vini, il voulait inviter l'équipe Moun Casal qui polonais pour venir visiter l'aéroport. Oui, à l'ouel. Maman, toujours à prendre soin. La journée est dans pour la nuit. Le capitaine était venu à prendre Moun. C'est moi en premier qui ai choisi, qui était OM. OM semble en blanc, je prends. Alors qu'il est là à marcher Casal, il semble OM blanc tout bon passé mieux. Il comme si bluffé, il n'a pas dit rien. Alors qu'il est quitté là, je prends l'autre monde, il est allé, il dit à venir chercher. Il a cherché mon Dieu vête. Je n'ai pas fait. Je n'ai quitté moi. C'est coup les yeux faits, je t'ai fait. Tout le monde est prêt et moi, le monde est fait. Ce jour-là, la vie, je viens chercher dans l'induit. Là, nous venons nous rencontrer, nous présenter. Nous sommes venus reconnaître. Il vient reconnaître moi. Suffit que moi, je viens reconnaître tout. Où tu vas descendre, madame? Oui, descendre devant, non. J'en ai une seconde, c'est moi, puis. C'est vrai? On est déjà dans le soleil chaud. Et lui, il vient dans le soleil chaud. Il fait, il vient, lui, moi, mi tout. Madame, moi, tu vas en arrière, me connaître. Il y a des gens de beauté. Je voudrais rappeler ici un épisode plutôt dramatique qui a uni de quelque façon l'histoire d'Haïti avec celle du peuple polonais. Il y a 170 ans, 3000 soldats polonais débarqués sur cette île, envoyés par les forces d'occupation afin de réprimer révolte de la population qui luttait pour son indépendance politique. Ces soldats, au lieu de combattre les aspirations légitimes des libertés, ont sympathisé avec le peuple haïtien. Environ 302 d'entre eux ont survécu. Leurs descendants, certes, ont eu part au développement de ce pays. Que reste-t-il du passage des Polonais ? Quelques noms illisibles sur quelques temples délabrés. Quelques yeux verts, gris ou bleus dans des visages sombres. Quelques danses rappelant vaguement les danses polonaises. C'est pour me montrer que j'aime bien danser coco là. Parce que c'est un grand chant qui dit. Du bar et du bar la sirène, du bar et du bar la sirène, on sait qui bêtise, moi, gain, mal et la rivière, même bêtise, bon, ni, t'en dis, et puis c'est pour n'a bouger, c'est pour n'a pas jouer, dis-moi, non, ça. Le final est qu'il est pour y'a au contraire. Mais qu'on y a là, moi, pas qu'à faire juste là.